Jésus a souvent parlé en paraboles. Une des petites paraboles de l'Évangile parle de la femme qui prend le levain pour mettre le levain dans la pâte pour que toute la pâte se lève. Et le Seigneur compare avec cette image le royaume de Dieu. Pour l'octave, nous voulons vous inviter à prendre du levain, à prendre de la farine, à vous prendre du temps pour faire un pain de l'octave, et puis inviter Marie à venir dans vos maisons. Monsieur le Cardinal, cette invitation de faire de nos demeures des églises domestiques, nous aimerions bien vous écouter sur ce message. Je trouve que c'est une idée merveilleuse. Tout d'abord, je pense que tout le monde est fatigué d'être tout le temps passif. Il faut faire quelque chose dans cette période de confinement. Et Marie a été cette femme qui a toujours travaillé. C'est elle qui a tenu cette église domestique où Jésus était au centre, ensemble. C'est elle qui a appris à prier à Jésus. C'est elle qui a fait le pain et qu'il a offert à Saint Joseph et à Jésus. Donc, en faisant ce petit geste, Marie est avec nous, et nous nous joignons à elle. Et ainsi, nos maisons deviendront de nouveau de petits centres chrétiens. La famille, qui est une église domestique, mais même si c'est seulement un couple, même si c'est une personne seule, la solitude est rompue quand nous invitons Marie à venir auprès de nous. Alors ce pain a l'air délicieux. Merci pour cette idée. Et puissent nos églises domestiques croître, parce qu'alors c'est aussi la croissance de l'Église du Christ qui est à vos centres.